Donc ce mardi avait lieu la première détection que nous organisions à destination des enfants nés en 2003 et 2004. Donc ça entre dans le cadre d'une série de journées de détection que nous organisons pour la première fois cette saison, à la fin du premier tour, et qui sera suivie d'une deuxième période de détection aux alentours du mois de mars. Pour ce qui est de cette détection, principalement, nous convoquons des joueurs qui ont posé leur candidature, donc qui ont spontanément introduit une demande de test sur le site. Viennent aussi s'ajouter à ces joueurs que nous convoquons certains joueurs qui ont déjà été repérés par nos scouts. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de demandes et que dans un premier temps, notre équipe de scouting doit faire un tri, je dirais, parmi les demandes. Et on convoque généralement une trentaine de garçons par catégorie qui s'affrontent dans un premier match qui se joue entre eux. De ce match, nous extrayons quelques joueurs qui nous ont séduits par leur jeu et qui seront convoqués pour des phases ultérieures de détection, de test, à savoir à ce moment-là la participation à des entraînements en compagnie de notre effectif. Et ainsi, nous avançons progressivement en ne gardant que ceux qui correspondent vraiment au profil que nous cherchons. Alors, les phases de détection, lions dans la presse ou sur le site un avis comme quoi les détections sont annoncées. À partir de là, on enregistre les candidatures qui sont à rentrer via le site du Sporting de Charleroi sous l'onglet Zebra Talent. Il y a donc un intitulé Demande de test. En cliquant sur cette demande de test, il est alors proposé un formulaire à remplir. Et ce formulaire nous permet ainsi d'établir les listings à partir desquels nous ferons nos sélections.